Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Grâce. Enchanté Grâce. Quel est le prénom de garçon que tu détestes le plus? Pardon. Quel est le prénom de fille que tu détestes le plus? Ok. C'est Véronique. Ha! Je respecte. Surtout moi je déteste surtout les prénoms comme Vanessa. Je déteste tellement ça. Pas. Salut mon frère. Oui, bonsoir. Moi c'est Francky. Je suis Ngaïsou Gine Jean Honoré. Enchanté Jean Honoré. Merci. Tu portes ce prénom solide là, Jean et Honoré, c'est deux grands prénoms. Vraiment, c'est deux grands prénoms et c'est mon papa qui me l'a donné. D'accord, tu remercieras ton papa pour ça. Merci finalement. Ok, si nous t'accostons, c'est par rapport à notre chaîne YouTube et nous voulons savoir, et nos internautes aussi. La voix des sans voix, le clairreur de conscience africaine. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Ayel. Enchanté. Enchanté aussi. Alors si nous vous accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi, quel est le prénom de garçon que tu détestes le plus? Yvan. Pourquoi Yvan? Parce que les Yvan sont orgueilleux, jaloux. Ils se prennent la tête et tout. Ils se prennent la tête. Oui, etc. D'accord. C'est bon, non? Et quel est le prénom de fille que tu n'aimerais jamais avoir? Donc si on t'avait donné ça, c'est que tu as changé de prénom. Mélissa. Pourquoi Mélissa? Parce que les Mélissa sont... Les banquiers. Pas exactement ça. Oui. C'est que les Mélissa n'ont pas trop un bon caractère et tout. Donc, elles sont un peu autoritaires. Elles sont aussi faciles. Oui. Voilà. Je te remercie. Merci aussi. Quel est le prénom de fille que tu détestes le plus? Un exemple. Oui, un prénom de fille que tu détestes, que sérieusement tu détestes. Quand tu accostes une fille, elle te donne le prénom là, tu la bats une fois. Généralement, quand elle me donne le prénom, elle me demande toujours l'autre. Bon, on va dire les. Non, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas. Il n'y a aucun prénom qui te dérange. Non. Même le prénom de ton ex qui t'a fait quelque chose que tu n'arrives pas à regretter, que tu jusqu'à présent tu continues toujours à regretter. Non, il n'y a pas en fait. Y a pas. Donc tu ne détestes aucune fille, aucun prénom. Il y a quoi sur le prénom? Sur le prénom, on peut faire en sorte qu'on déteste une fille. Mais forcément. Une fille qui s'appelait Leslie comme ça, qui avait bien maintenant, tu n'avais rien vu là. Quand tu vois les Leslie, ça dépend. Tu as mangé mon agent que son prénom. Bien sûr, ton prénom peut t'énerver. Dès que tu veux généraliser, si tu crois une fille. Que dès qu'une fille s'appelle Leslie, non. C'est une mangeuse d'argent. Du coup, son prénom m'a énervé, je là-bas. Direct? Non, particulièrement, il n'y a pas de prénom de fille qui m'énerve. Ok. Quel est le prénom de fille que tu détestes le plus? Vanessa. Pourquoi Vanessa? Non, c'est parce que bon, j'ai rencontré et c'est le plus là qui c'est le nom, le prénom là qui m'a marqué le plus de façon aussi négative. Mm-hmm. Oui, c'est un peu ça. Donc quand tu as rencontré Vanessa, elle t'a travaillé. Elle était très tendre, tu respectes. Vanessa, ça ne blague pas. Ok, je te remercie. Merci. Et puis, quel est le prénom de fille que si on te, que lorsque tu l'accostes en route, elle te donne son prénom, tu la bats une fois? Bon, il y a prénom Vanessa. Hey, pourquoi Vanessa? Vanessa, il y a des filles qu'on appelle souvent Vanessa, ils sont trop vulgaires là. Oui. Ils sont vraiment, ils aiment la prostitution. Dans les Vanessa, ça sont les prostituées alors. Oui, c'est ça. Je te remercie, mon frère. Merci. Quel est le prénom de jeune fille que quand tu entends ces mots, ça te fait mal à la tête? Les prénoms de jeune fille, quand j'entends, ça me fait mal à la tête. Donc tu n'aimes pas. Donc quand tu vois une fille, tu la vois en route comme ça, elle te dit qu'elle s'appelle comme ça, tu la bats une fois. Bon, beaucoup plus les prénoms Rose. Rose? Et pourquoi ça, Rose? Parce que les filles qui s'appellent souvent Rose craignent trop.
Oh oui, donc ce sont des mimbayeuses quoi. Des mimbayeuses, donc les roses sont les mimbayeuses. Oui, je vois. Bon, parce que la plupart du temps, les roses sont souvent brunes. Bon, pas forcément. Parce que moi, la majorité des roses que j'ai vues sont en majorité brunes. N'est-ce pas? Mm-hmm. Mais pas forcément. D'accord. Pas forcément. Donc pour toi, les roses sont les mimbayeuses. Ce sont des mimbayeuses vraiment. D'accord, je te remercie frère. Merci, merci. Lorsque tu marches, tu rencontres les jeunes filles. Quel est le prénom de jeune fille qui t'énerve le plus? C'est Véronique. Véronique? Oui. Et pourquoi Véronique? Parce que c'est un vieux prénom. Et tu vas dire quoi de Marthe, par exemple? Un prénom comme Marthe? Bon, je ne sais pas, je n'ai pas trop constaté les Marthe, mais Véronique, là, j'ai autant vu Véronique. Il y a trop de Véronique. Oui, trop de Véronique. Ça n'a pas de sens. D'accord. Oui, parce que le prénom, en fait, est vulgaire. Oui, c'est trop vulgaire. De nos jours. Je te remercie. Okay. Quel est le prénom de fille? Que quand tu marches en route, tu salues une fille, elle te donne le prénom, là, tu passes ta route. Surtout, moi, je déteste surtout les prénoms comme Vanessa. Je déteste tellement ça. Pourquoi Vanessa? Parce que les Vanessa sont vraiment très exposées. Elles préfèrent, elles aiment trop la nudité. Disons que c'est puis elles aiment trop la prostitution. Oui. En bref, non, ce ne sont même pas des gentilles filles que tu peux même les fréquenter. Oui. Les vrais panthères qui peuvent même te fouiller, qui peuvent même enlever tout ce que tu poses. Oui. Donc, c'est en quelque sorte ça. Les Vanessa, moi, je les déteste. Est-ce que c'est une mauvaise expérience? Est-ce que c'est parce que tu as déjà vécu une mauvaise expérience avec une Vanessa? Oui. Ou c'est juste une appréhension de Vanessa? Non, parce que j'étais déjà victime de ça. Oui, Vanessa t'a travaillé. Elle m'a travaillé, elle m'a lavé, disons qu'elle m'a... Elle m'a tout fait. Disons que c'est une fille que si tu tombes sur elle, elle doit d'abord te charmer d'abord. Oui. Elles ont les caractères qui attirent d'abord les hommes. Mm-hmm. Et quand tu tombes alors dans leur piège, c'est là où elles commencent alors à jouer leur rôle. Oui, elles te travaillent. Elles te travaillent bel et bien. Ouais. Exactement. Je te remercie, frère. Je t'en prie. Si tu marches en route et que tu vois une fille, tu l'accostes, elle te plaît, tu l'accostes, après elle te donne un prénom. Mm-hmm. Quel est le seul prénom qu'elle peut te donner? Tu la barres une fois, tu continues ta route. Moi, je vais quand même le prénom comme Bernadette. Bernadette? Oui. Pourquoi ça? Non, parce que je connais le genre de Bernadette et autres là. Oui. La majorité sont des filles trop strictes. Je ne sais encore quoi les qualifier. Donc l'adjectif pour les qualifier là, c'est un peu de... Ça n'existe pas. Voilà. Donc, elles sont tellement compliquées. Compliquées, trop compliquées même, voilà. Vous avez compris. D'accord. Mm-hmm. Okay, donc c'est pourquoi je déteste ces prénoms. D'accord. Mm-hmm. Je te remercie. Merci beaucoup. Et quel est le prénom de fille? Que quand tu marches comme ça, tu la poses, elle te donne son prénom, tu passes une fois ta route. Oui, moi je peux donner le prénom Pauline. Pourquoi Pauline? Parce que... On a souvent l'habitude de dire que Pauline veut dire une fille qui est polie. Uh-huh. Mais pourtant, dans son cas, en général, ce sont des filles très, très impolies. Très, très impolies. Oui. Est-ce que c'est parce que tu as déjà vécu l'expérience d'une polie? Mm-hmm. Donc, tu parles en connaissance de cause. Oui, oui. Et... J'ai été victime. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle t'a fait si nous ne sommes pas indiscrets, Pauline? Donc, elle m'a montré un caractère qui ne m'a pas appelé du tout, qui m'a vraiment... Qui t'a déçu, en fait. Oui, qui m'a déçu. D'accord. Je te remercie. Mm-hmm. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Florence. Enchantée Florence. Plaisir partagé. Alors si nous t'accostons, c'est déjà par rapport à notre chaîne YouTube. Et nous voulons savoir, et nos internautes aussi. Mm-hmm. Quel est le prénom de garçon? Que quand tu marches en route, il t'accoste, il te donne son prénom, tu continues ta route. Donc que tu n'aimes pas. Junior. Pourquoi Junior? Les juniors sont têtus, sont les voyous en fait. Tous les juniors que moi j'ai connus sont les voyous. Non, les juniors têtus. Sont les têtus, les voyous. Oui, tout ce qui est mauvais sur garçon là, c'est sur les juniors. C'est sur les juniors. Wow. Je te remercie. D'accord. Quel est le prénom de garçon que tu détestes le plus? Collins. Collins. Oui. Pourquoi Collins? Et ça, je n'aime pas le nom là. Pourquoi? Tu n'aimes pas le nom pour rien. Est-ce que tu as eu un gars, Collins, qui te dérangeait? Oui, mais ce n'est pas pour ça. Je n'aime pas le nom Collins. Tu n'aimes pas Collins, pourquoi? On peut pas, tu peux pas dire que tu n'aimes pas Collins pour rien. C'est parce que forcément, tu as eu une mauvaise expérience avec Collins. Oui, oui. Même mes amis ont eu une mauvaise expérience avec Collins. Oui.
Donc, toi, tu as eu une mauvaise expérience et même tes amis ont eu des mauvaises. Donc, en fait, Colline, c'est seulement les mauvaises expériences avec les gens, alors. Ok, je te remercie. Donc, quel est le prénom de fille qui t'énerve le plus? Moi, je ne regarde pas le prénom. Je regarde pas le prénom, c'est la personnalité qui m'intéresse. Oui, donc, il n'y a aucun prénom de fille avec qui tu as eu une très mauvaise expérience et qui t'énerve. Non. Peut-être Ingrid. Bon, pourquoi Ingrid? Eh bro, on a eu un palabre là entre temps, mais ça n'a pas donné, c'est tout. Mais y a non, pas... Tu as essayé quelque chose avec, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et subitement, c'est devenu un mauvais prénom pour toi. Je pense que c'est un mauvais prénom. Si, ça ne veut pas dire que si demain rencontre une autre fille, Ingrid, on aura tout. Mais quand je repense au nom, c'est ça qui me. Ça te rappelle voilà, beaucoup de souvenirs. Ça voilà, tu as tout compris. D'accord, je te remercie. Ok, y a pas de problème. Bonsoir ma chérie. Bonsoir. Moi c'est Francky. Moi c'est Ruth. Enchanté Ruth. Quel est le prénom de garçon qui t'énerve le plus? Ah, le prénom de garçon qui m'énerve. Je n'aurais même pas pensé. Et c'est Jules, voilà. Pourquoi Jules? En fait, ça me fait rappeler à plein de choses, les événements à la télé et une rencontre que j'ai faite dernièrement. Avec un Jules. Avec un Jules. Il m'avait énervé. Tout simplement. Genre, sa façon de parler, il était hautain. Comment? Qu'est-ce qui t'a énervé chez lui? Il était un peu trop égocentrique. Oui. Tout était centré sur lui. Oui. C'est le genre de choses comme ça qui m'énerve. Ah, ok. Mm-hmm. Donc, tu n'aimes pas les personnes égocentriques? Mm-hmm. Un peu narcissique, genre. Voilà, tout est seulement réservé pour lui, tout oui. Sur lui. Le discours même, ce n'est que de lui. Voilà, moindre chose, il s'applique toujours sur lui. La concurrence, la rivalité, toujours avec lui. D'accord, je te remercie.